puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu de tout mon air, alors s'élève un chant. Dieu tout puissant, que tu au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu, oh, mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great the world, how great the world. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great the world, how great the world. When Christ shall come, we shout, oh, acclamation, and take me home. What joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim
God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, through thee, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior, my Savior God, to thee. How great thou art. Théodore et la mère Evna Mérius,
Sarah Isabelle Théodore, leur fille, née le 9 août 2016. S'il y a d'autres parents qui veulent les accompagner, ils peuvent aussi s'adjoindre à eux. Tandis qu'ils s'amènent, nous demandons au chant de faire chanter un chant approprié pour préparer cette présentation. Le numéro 572, nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Secondes pour attirer votre attention sur la responsabilité qui vous incombe. Proverbe 22, verset 6, et j'invite l'Église à lire avec moi, ainsi que les parents. Qu'est-ce qu'il est? Vous lisez avec moi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça résume votre responsabilité paternelle et maternelle. Je pense que vous êtes très heureux ce matin d'associer au ciel en ce jour particulier de votre vie. Ce jour qui vous permet de présenter au Créateur de l'univers, celui qui a créé le cosmos, le Rédempteur de l'humanité déchue, Dieu le Père, et nous sommes heureux de nous associer à vous. Tandis que vous fêtez dans votre cœur, tandis que vous êtes très parce que vous avez très beau vêtement, j'aimerais vous dire que la Bible vous dit ce matin, instruis l'enfant dans la voie de Dieu. C'est votre responsabilité d'éduquer vos enfants, vous deux comme père et comme mère. Et vous devez le faire dans la voie de Dieu. En d'autres termes, selon la parole de Dieu, vous devez le faire. Et si vous le faites bien, le Seigneur en tiendra compte auprès que la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il a suivie. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc vous allez jeter la base de la semence de la parole de Dieu dans le cœur de ces petits êtres qui viennent d'être nés. Donc que Dieu puisse vous permettre, comme père, à l'instar de Job, chaque matin, de dresser l'autel familial, d'élever votre voix comme père, vous deux, à Dieu, vers Dieu, pour lui demander pardon pour vous, mais aussi pour ses petits, pour qu'il puisse imprimer son caractère dans votre enfant. Ensuite, à midi, si vous êtes ensemble à deux, faites le culte familial. Le soir, avant d'aller au lit, encore une fois, priez,
mais enseigner aussi la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, ils sont encore très petits, mais permettez-moi, ils peuvent apprendre à travers votre exemple. Si des petits, dès la prime enfance, ils voient vos manières d'agir, c'est le pouvoir, vous lever très tôt, faire le culte familial, de prier ensemble, de vous aimer, qu'il n'y a pas de querelle, de conflit entre vous. Ces enfants-là doivent pouvoir copier sur vous. Et à ce moment-là, ils peuvent rester à l'église, connaître Dieu et se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous permettre d'accomplir convenablement ce ministère paternel et maternel. Amen. Nous allons nous jeter à genoux pour la prière de consécration, la prière de présentation pour Mandy. J'invite les parents à s'agenouiller. Tous ceux qui sont les parents, nous fermons un cercle et j'invite l'église à adopter une attitude révérencieuse pour cette prière de consécration. Notre Père et notre Dieu, nous tenons dans nos bras, sur nos bras, ces deux petits êtres, ces deux fillettes, ces deux bébés filles, et nous voulons te remercier de ce que tu leur as permis de parvenir à l'existence. Merci d'avoir béni les entrailles de ces femmes. Merci de ce que tu as béni aussi ces deux hommes. Et merci de ce qu'ils se présentent accompagnés de leurs femmes pour te présenter ces enfants. Que ton nom soit béni, loué, exalté d'éternité en éternité. Nous te demandons, Seigneur, en cet instant, de poser ta main sur la tête de ces deux enfants. Qu'ils soient bénis maintenant, qui soit consacré à toi, qui soit éduqué dans un foyer où il fait bon de vivre, qui soit élevé à l'instar de Jésus, à l'instar d'autres disciples, d'autres serviteurs dans le passé, à l'instar du petit Samuel, qu'il grandisse devant toi en statue, devant Dieu, devant les hommes, qu'il connaisse une santé robuste, extraordinaire, que tu puisses permettre à ces hommes d'imprimer en eux ton caractère à travers l'enseignement de ta parole. Bénis également ces deux femmes. Donne-leur tout ce dont elles ont besoin afin d'accomplir leur rôle comme mère à l'égard de leurs enfants respectifs. Encore une fois, bénis ces enfants. Qu'elles soient des concitoyens non seulement pour la terre, mais surtout pour le royaume des cieux. Qu'elles brillent dans le monde, qu'elles deviennent des missionnaires pour toi et qu'elles puissent te représenter valablement. Encore une fois, étends ta main pour bénir toutes les familles qui sont dans cette salle et particulièrement ces deux familles, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous dites? Bienvenue à ces deux membres de l'école du sabbat. Du Seigneur. Encore un autre moment de louange est offert à chaque adorateur présent dans cette assemblée et aussi à nos chers internautes de faire monter à notre Créateur gloire, louange et honneur.
qui lui reviennent pour ce qu'il est. Jour et nuit, il reçoit l'adoration des anges qui lui sont restés fidèles, mais dans sa condescendance, accepte de recevoir la nôtre et veut faire de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer ses vertus, particulièrement en ces temps de la fin. Adorons et louons-le en entonnant les cantiques trouvés au numéro 349, dès que l'aube dépose, et 113, il revient sur les nuées. Levez-vous, chers frères, et adorons le Seigneur. Dès que l'aube dépose ses perles sur les fleurs, dès que s'ouvre la rose aux brillantes couleurs, dès que l'ombre s'efface devant le jour qui lui Alléluia, Jésus vient régner sur tous. Alléluia.
Alléluia, Jésus vient régner sur tous. Tout est peut voir le Messie venir avec cœur en roi. Le méchant dans sa folie le contemple avec effroi. Alléluia, Jésus revient en sur moi. Alléluia, Jésus vient régner sur moi. Les rachetés pleins de joie acclament le Rédempteur. Ils ont retrouvé la voie du salut et du bonheur. Alléluia, Jésus revient en vainqueur. Alléluia, Jésus revient en vainqueur. Qualité d'ambassadeur pour Christ, nous devons réclamer son aide afin de partager notre foi à ceux qui ne l'ont pas encore accepté dans leur vie. Tel est l'ordre du roi. Chantons au numéro 534, Messager du grand roi. Du grand roi, proclamons avec toi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de appelle tous, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde révélé. Pécheur vient à la croix, et là dans la poussière, dis à Dieu ta misère. Jésus te recevoir, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. Et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu dis la gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Merci, rassoyez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sabbat merveilleux. Nous remercions le ciel qui nous donne cette possibilité, ce privilège d'être encore une fois dans ce lieu, dans son sanctuaire, l'adorer en esprit et en vérité. Nous remercions également les chanteurs et tous ceux et toutes celles qui ont préparé et élaboré ce culte à la gloire de l'Éternel. Juste avant de présenter le dernier sermon dans le cadre de cette semaine de prière, j'aimerais encore une fois exprimer au nom de la direction de l'Église nos présentations
cette circonstance à laquelle fait face, disons, font face, et un frère de l'église, un dirigeant de l'église, un ancien, et la femme d'un collaborateur. Vous savez que la Bible dit il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Vous l'avez sans nul doute entendu, peut-être l'une des annonces. Et frère Rénol vient de perdre sa tante. Donc nous le présentons nos sincères condoléances, bien qu'elle n'ait pas été adventiste comme nous. Mais nous pensons que lors des funérailles, nous aimerions que les dirigeants d'église, certains dirigeants, une délégation, soient présentés à ces funérailles. Nous présentons également nos sincères condoléances à la sœur, c'est Cathy, la femme du frère Daniel Delonge, dont la tante vient d'être décédée. Et ce que j'ai appris ce matin, c'est au cours d'un accident. Et qui pisait, parce que j'ai appris, la mère de notre sœur a été tuée au cours de l'accident. Vous comprenez la douleur qu'elle ressent maintenant, tandis qu'elle vient de perdre la sœur de sa mère, presque, je dirais, dans les mêmes conditions, je dirais, au cours d'un accident. Donc, elle n'est pas à l'église. Je pense que vous connaissez très bien, surtout pour les jeunes, vous êtes très, très bien. Frère Daniel Tenon, vous pouvez vous informer sur son téléphone et l'appeler si vous avez cette possibilité de le visiter et surtout visiter sa femme. Le Seigneur en tiendra compte. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ revient? Amen. Croyez-vous que Jésus-Christ revient? Et tandis que je suis pas derrière ce pupitre, je me tiens pas derrière ce pupitre en cette circonstance difficile à laquelle font face ce frère et cette sœur, que je vous rappelle, au retour de Christ, il n'y a plus ni cri ni douleur. Amen. Et nous serons heureux pour le temps et pour l'éternité. Amen. Et c'est ce qui explique notre raison ici, notre raison d'être. Nous sommes ici pour nous préparer, nous sommes ici sur cette terre pour nous préparer. Parce que nous n'aimons pas la terre, chers amis. La terre n'a rien à nous offrir, c'est la douleur. Tandis que ma belle-mère souffre maintenant à l'hôpital, et je ne dis pas que j'ai la possibilité, mais c'est un moyen pour moi de me rendre chaque jour, parce qu'à longueur de journée, ma femme et moi, pour rester à son chevet, faire des démarches, etc. Et quand je regarde les autres patients, quand je regarde ma belle-mère, quand je regarde d'autres personnes qui souffrent, frères et sœurs, chaque seconde de votre vie, vous devez compter les merveilles de l'Éternel. Parce que la vie est un don. La vie est un don. Les gens qui sont retenus par un petit appareil, l'oxygène, ma belle-mère qui est encore retenue, le souffle est encore. C'est vrai, c'est Dieu qui retient, mais pour l'homme, on se sert d'un appareil. Chers amis, comme disait, mais qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est que souffle. Frères et sœurs, vous et moi, nous ne sommes rien. Et c'est pourquoi, quand nous avons le souffle de vie, préparons notre cœur pour le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu, à travers l'œuvre mondiale, à travers la conférence générale, chaque année organise des semaines de prière. Et la semaine de prière de fin d'année est consiste à un thème vraiment passionnant, émouvant, et qui explique la raison d'être de l'Église. La semaine de prière qui a débuté, et vous avez entendu la première fois, c'était frère René. Et au cours de la semaine, des voix s'élèvent pour présenter des sermons qui sont déjà préparés. Par conséquent, le dernier que vous allez entendre, ce n'est pas de pasteur Élisée, mais de préférence de quelqu'un d'autre. Le terme qui a été retenu, auquel nous nous sommes accrochés tout au long de la semaine, c'était quoi encore? Tous. Répétez avec moi, tous. Nous pas qu'on est là, nous avec vous tous, missionnaires. Et le premier message, c'était la mission de Dieu. Vous savez que, chers amis, Dieu a une mission. C'est pas seulement Jésus-Christ a confié une mission à l'Église. Dieu a une mission. Et la mission de Dieu se trouve dans Luc chapitre 19, verset 10, où il est dit, le Fils de l'homme était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le but de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Je ne vous entends pas. Le but de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Amen. Dieu ne veut que personne soit perdu. Dieu ne veut que personne soit perdu. Et c'est pourquoi, à travers les événements de la vie, à travers les événements existentiels, Dieu s'évertue, cherche
mal, Dieu vous cherche. Dieu cherche le petit vagabond qui est sur la rue. Dieu cherche partout, quelle que soit la condition dans laquelle se trouve le pécheur. Dieu le cherche parce que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'était le premier message qui a été présenté par le frère Fred Bonnet. Dimanche soir, on a eu un deuxième message, opération, mission. Troisième message, une mission qui nous transforme. C'était lundi, mardi. On a une mission en plein de compréhension et d'empathie. Mercredi, on a eu un autre message, toujours dans le cadre de cette semaine de prière. La méthode du Christ accomplit la mission avec amour qui a été présenté par l'ancien Robert. Et mercredi soir, on a eu un autre message, une mission en plein de conviction. Et hier soir, c'était la dernière soirée, une mission transformatrice. Chers amis, l'évangile est une puissance. Parce que ce que le pasteur est en train de vous présenter, ce que le prédicateur présente, c'est la théorie de l'évangile. Mais si cette théorie que vous entendez, s'il ne transforme pas votre vie, ce n'est plus un évangile. Parce que quand vous entendez l'évangile, votre vie doit être transformée. Amen, frères et sœurs. Et le dernier sermon, il est 2h, il est 11h, midi 10, deuxième sabbat. Le titre du message, c'est l'Église triomphante. Vous lisez, vous répétez pour moi? Le livre des Actes présente l'Église primitive comme étant une Église triomphante. C'était une Église missionnaire. Et Jésus-Christ, avant même de partir, avant qu'il parte pour le ciel, pour se rendre au ciel, il a eu à dire aux disciples ce qui suit. Et j'invite le technicien à présenter pour après, à approcher pour moi sur l'écran, Actes chapitre 1, verset 8, qui résume en quelque sorte la mission de l'Église et qui a été confiée par Jésus-Christ avant qu'il parte pour le ciel. Actes chapitre 1, verset 8, je vous invite à le lire avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, vous recevez une puissance parce que les disciples, de par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas accomplir cette mission. Ils devaient être revêtus de la puissance de Dieu. Chers amis, que je vous dise, le mot puissance ici, c'est un mot grec dynamo qui signifie exploser. Et les disciples ayant reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre s'est mis à prêcher. Aujourd'hui, nous organisons des campagnes. Nous dépensons beaucoup d'argent. Nous utilisons la technologie. Mais malgré tout, peu de gens se convertissent. Mais l'apôtre Pierre n'avait pas de technologie. L'apôtre Pierre n'était pas un intellectuel, mais poussé par la puissance de Dieu. Les âmes ont tendu. Ils se sont pris la décision de marcher avec le Dieu. Chers amis, frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler, vous n'êtes pas obligé d'être intellectuel pour présenter la parole de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être intellectuel, un théologien pour parler de Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'est dire aux autres ce que Christ a fait pour vous. Vous étiez malade, vous l'avez rencontré, il vous a guéri, c'est votre évangile. Vous n'étiez rien autrefois. Vous l'avez rencontré. Il a transformé votre vie. Par conséquent, vous prêchez le nom de Jésus-Christ. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez bien témoin. Où ça? Deuxièmement. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers amis, si vous lisez le livre des Actes, vous allez vous rendre compte, l'Église primitive, c'était une Église missionnaire. Rempli de puissance. Aïe, 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 l'apôtre Pierre a rencontré un homme devant le temple. L'homme étendait sa main, tandis qu'il était malade, il étendait sa main pour lui demander de l'aumône. J'ai comme l'impression, l'apôtre Pierre a mis sa main dans ses poches, il n'a rien trouvé pour donner à cet homme quelque chose. Et il a regardé dans les yeux cet homme qui était malade et qui étendait sa main pour lui demander une aumône. Il a dit, je n'ai ni or,
ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'homme s'est mis debout et il est resté. Amen. L'évangile est une puissance. L'église primitive, c'est une église puissante. C'était une église triomphante. Il partait, elle partait en mission. Elle a réussi la mission qui lui a été confiée. Voilà l'église primitive. Mais vous pouvez me demander, mes pasteurs, qu'est-ce qui a fait le secret de l'église primitive? Pourquoi nous autres, pasteurs, théologiens, docteurs, pourquoi nous avons tout? Regardez, regardez ce que nous avons. La technologie, nous avons tout. Mais pourquoi l'église primitive a réussi cette mission? Pourquoi est-elle considérée aux yeux des théologiens comme étant une église triomphante? Pourquoi pas nous autres? Voici le secret. Et c'est la servante du Seigneur qui a déclaré, parce que le message, c'était un extrait de l'esprit de prophétie, de celui qui vous parle aujourd'hui, c'est Ellen G. White à travers des textes prophétiques. Je vais vous lire un passage. Il est dit, les disciples étaient des hommes qui parlaient et priaient avec sincérité. Des hommes qui étaient soutenus par la force d'Israël. Ils se tenaient tout près de Dieu. Et leur gloire personnelle était liée à son trône. Jéhovah était leur Dieu. Son honneur, leur honneur. Sa vérité, la leur. Toute attaque contre l'évangile était comme une blessure à vif dans leur âme. Et ils luttaient de toute la force de leur être pour la cause du Christ. Ils pouvaient prêcher la parole de vie parce qu'ils avaient reçu l'onction céleste. Ils attendaient beaucoup. C'est pourquoi ils osaient beaucoup. Amen. Waouh. Ils étaient tout près de Dieu. Leur temps était consacré exclusivement à la prière. Ils étaient des hommes consacrés à Dieu. Ils n'avaient pas utilisé leur langue pour parler sur l'autre. Parce qu'ils pensaient qu'en parlant sur l'autre, cela leur priverait de la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qui s'est mis à critiquer l'autre est privé de la puissance de Dieu. C'était des hommes de prière, des hommes consacrés à Dieu. La Bible dit, l'esprit de prophétie dit ici, l'honneur de Dieu, c'était leur honneur. Et quand quelqu'un parlait mal de l'évangile, il se sentait blessé. Ou pas sans tout gêner, l'homme a parlé mal de Jésus-Christ. Vous êtes à l'université, quelqu'un s'est mis de vous dire, Dieu n'existe pas, et vous dites rien. On parle de votre sauveur, vous dites rien. Mais c'est cela, il n'était pas comme ça. Quand quelqu'un s'est mis debout pour critiquer le maître, il entendait et ça allait le blesser. Et il s'est mis debout pour défendre la vérité, la parole de Dieu. Et c'est ce qui se fait, chers amis, le secret de l'église primitive. Il partait à la conquête des âmes. Ces dernières ont entendu la parole de Dieu. La Bible dit, et disons l'esprit de prophétie dit, et c'est conforme à la Bible, ils pouvaient prêcher la parole de vie parce qu'ils avaient reçu l'onction céleste. Frères et sœurs, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Le problème de l'œuvre adventiste, depuis dans le passé jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème parce que nous avons trop d'intellectuels qui pensent diriger l'œuvre, diriger l'église par leur formation académique. Frères et sœurs, que je vous rappelle, l'église est une entité spirituelle. Elle doit être dirigée par des hommes spirituels. L'église est paralysante. L'église est paralysante. L'église ne peut accomplir sa mission parce qu'on n'a pas d'hommes, des anciens consacrés, des anciens qui prient.
des hommes qui gémissent au pied de la croix pour demander, pour implorer la puissance de Dieu. Des prédicateurs qui ne prêchent pas derrière la chair, mais ces paroles y a prêché. Mais ils ne sont pas revêtus de la puissance de Dieu. Chers amis, que je vous rappelle Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est pas mon esprit. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Je ne suis pas en train de nier l'importance de l'académie. Nous avons aussi dans l'œuvre, même aussi dans la Bible, de belles têtes sur le plan académique. L'apôtre Paul, c'était un fin philosophe dans son temps. Nous comprenons très bien que l'intellectualisme est important dans la mesure ce niveau académique est sous la guidance du Saint-Esprit de Dieu. Amen, frères et sœurs. Mais quel message prêchait-il? Je vous invite à lire avec moi ce texte, 1 Pierre 2, verset 4-5. Voici ce qu'il prêchait. Nous venons de voir le secret de la mission. Ils ont réussi la mission, le secret de cette mission. Maintenant, voici ce qu'il prêchait, le message. Vous lisez avec moi. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 19 à 22. Éphésiens 2, verset 19 à 22. Vous lisez avec moi, c'est ce texte de richesse. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens, ni dehors, mais vous êtes quoi? Des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le message était centré sur la personne de Jésus-Christ. Tout le message, qu'il s'agisse de la loi, qu'il s'agit du sabbat, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul surtout, c'est mieux de vous dire, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire, chers amis, vous qui prêchez, parce que nous participons à cette semaine de prière, nous invitons à être missionnaires. Vous devez prêcher un seul message, non pas le sabbat, non pas le salut par la loi, mais nous devons prêcher la personne de Jésus-Christ. Car celui qui sauve, ce n'est pas le sabbat. Celui qui sauve, ce n'est pas la viande de porc. Mais celui qui sauve, c'est Jésus de Nazareth. Le sabbat n'était pas cloué sous la croix, mais Jésus lui-même était cloué sous la croix. Il a la capacité de guérir et de sauver. Vous êtes malade? Répétez le nom de Jésus-Christ. Vous avez des difficultés? Citez le nom de Jésus-Christ. Vous avez un problème? Citez le nom de Jésus-Christ. Ne citez pas le sabbat. Citez le nom de Jésus-Christ et vous serez sauvés pour le temps et pour l'éternité. Car il n'y a de salut aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus de Nazareth. Il est le pain de vie pour le boulanger. Il est la sagesse pour les philosophes. Il est la pierre angulaire pour toute maison. Vous voulez construire une maison? Adressez-vous à Jésus-Christ. C'est le véritable architecte. Celui qui a Christ, il a tout. Celui qui a Christ, il a tout. C'était le secret. C'était le message. Certes, la loi n'est pas abolie. Même là encore, quand il devait présenter la loi, on sentait le calvaire. Il part, il commence avec le calvaire, mais qu'il s'agisse de la loi. Il parle de la loi, mais Christ est encore dans la loi. Ils vont terminer avec le sabbat. Là encore, il parle de Jésus-Christ, car le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. M'attendez, amen, frères et sœurs. Cependant, pour y arriver, pour avoir osé prêcher le nom de Jésus-Christ, le message d'aujourd'hui nous rappelle, ils étaient vraiment persécutés.
car il est dit tous ceux qui sont qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse 2, verset 10. Je vais terminer avec ce texte. J'ai pris trois textes pour le message, pour résumer l'auteur, celui qui a écrit le texte. Apocalypse 2, verset 10. Vous lisez avec moi. Ne crée pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Chers amis, il n'y a pas le ciel sans la croix. Il n'y a pas le trône sans la croix. Il n'y a pas le trône sans la souffrance. Celui qui prêche l'évangile doit s'attendre à des persécutions. Les apôtres ont dû subir des martyrs pour le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a vu sa tête décapitée, disons coupée. Il a été décapité tandis qu'il se trouvait dans la prison de Mamertine à Rome en l'an 66 de notre ère. Alors qu'il était enchaîné dans ses chaînes, dans sa prison, on l'a appelé. Mais avant qu'il parte pour être tué, pour avoir vu sa tête coupée avant qu'il parte, il a écrit pour dire: j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. C'était des hommes intrépides, d'une foi extraordinaire, qui croyaient que la terre n'est qu'un exil, la terre n'est qu'un passage. Le regard n'est pas fixé sur les matériels de ce monde, mais ils sont fixés sur le ciel, là où se trouve Jésus de Nazareth. Il a accepté d'être décapité. L'apôtre Pierre a vu, oui, il a été crucifié pour le bon nom de Jésus-Christ. Et l'histoire de l'église chrétienne, chers amis, a vu naître des hommes qui ont été persécutés. Pourquoi ne pas parler de Jean Wyclef? Pourquoi pas parler de Jean Hus? Oh, le réformateur, avant même Martin Luther, Jean Hus s'est prêché pour avoir dénoncé le papisme, la religion papale, le catholicisme, pour avoir osé dire au pape: vous ne pouvez pas dire aux gens que le salut se trouve dans les sacrements. Vous ne pouvez pas enseigner que la vie se trouve dans la tradition. Vous ne pouvez pas dire aux gens de croire en la Vierge Marie. Vous devez leur prêcher Jésus de Nazareth. Et pour avoir osé dire ça, l'homme a été appelé par le pape. Alors, la veille de sa mort, il a présenté devant le pape. Le pape lui dit: qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu es prêt à renier ton sauveur ou non? Jean-Louis a regardé les prélats qui s'étaient réunis pour leur dire: je ne suis pas prêt à renier mon sauveur. Je suis mort aujourd'hui, mais bientôt il va me ressusciter. Amen. Et demain, il a été conduit au bûcher. Et là, il a été brûlé vif. Permettez-moi de vous rappeler, il y a ce qu'on appelle le mystère de la Bible. Dieu intervient toujours pour sauver ses enfants. N'a-t-il pas été dans la fournaise ardente pour sauver qui? Les trois jeunes Hébreux. N'a-t-il pas été à la fosse au lion pour sauver Daniel? Mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est toujours là, qui a vu Jean-Baptiste décapité. Le mystère. Dieu ne t'avait pas toujours comme vous l'aurez souhaité. Mais un jour, permettez-moi de vous rappeler ceci: vous qui acceptez de souffrir pour le bon nom de Jésus-Christ, vous serez sauvés. Amen. Vous qui acceptez de souffrir pour la prédication de l'évangile, aujourd'hui, au moment où je vous parle, d'après le message d'aujourd'hui, j'en appelle à des braves. Aujourd'hui, vous n'êtes pas persécutés pour l'adventisme parce que nous nous conformons au monde. Si vous êtes bien vu à l'université, c'est parce que vous n'osez pas remettre en question l'enseignement de la Bible sur l'existence de Dieu. Mais quand vous serez levé avec la puissance de Dieu
pour dire à ce monde, pour dire au gouvernement canadien, pour dire au gouvernement québécois que l'homosexualité est condamnée. Par conséquent, nous ne pouvons pas voter l'homosexualité. Vous serez persécuté. Quand vous n'êtes pas en mesure pour dire, ah, c'est culturel. Quittez-le comme ça. C'est culturel, certes, mais il faut le dire. Dieu aime les homosexuels, mais il condamne l'homosexualité. Par conséquent, on a dit à tous les homosexuels, à tous les lesbiennes, de venir à la croix, car le sang de Christ est efficace pour laver les pécheurs, quel que soit le péché. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, en ce sabbat, tant que pasteur de l'Église, ministre de l'Évangile, je vous convie, au nom de la parole de Dieu, au nom de la Bible, la parole de Dieu, en ce sabbat, vous levez, tenez, il y a trop de programmes à l'intérieur de Saint-Léonard, trop de programmes qui vous nous retiennent, qui nous empêchent d'aller pour faire des études bibliques, trop de programmes nous retiennent pour aller à Repentigny, pour aller dans d'autres endroits, pour établir l'œuvre. Pendant que je parle avec vous là, bientôt, je vais vivre devant pour me dire, mon qui chita devant yo, nous ne pouvons pas capturer encore. Parce que ville l'a dit, nous avons un minimum de monde nous devons dans l'église là. Et si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous avons subi une amende. Je rappelle ça, disons-moi tout ça, mais je retourne sur ça. Si encore je suis le pasteur de cette église dans les années qui viennent. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une place à repentir pour vous. Il y a une place dans d'autres endroits pour vous, pour étendre l'œuvre, la prédication de l'évangile. En pile, dans nous, il y a un talent, mais l'église n'est pas capable de prendre tout talent. Yo. Mais soit dans l'autre endroit, on fait éclater le bon nom de Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, je pense que le cœur du Saint-Esprit est triste chaque sabbat quand il voit des assemblées. Nous avons cherché place. Après regarder où il y a des gens qui vierges, des âmes. Chers amis, frères et sœurs, le monde fini, frères et sœurs. Regardez les gens, ils ont l'argent. Mais son système, c'est crasé la prison encore. Les gens ont lutté. Dernièrement, ils ont dit, mais monsieur, il n'y a pas contre ses pasteurs, mais même si je me pasteur, mais c'est mieux tout. Il dit, mais monsieur, mais regardez, blanc bon pile comme, c'est des belles machines, après je regarde machine pasteur. Mais chaque mois, on coupe pas bail pour la machine, on coupe pas bail pour une belle caille, même ton bagage pour dominer la là. Même ton bagage, système n'en fait en sorte que, libre moyen, ou pour manger, ou plus tôt pour manger, pas de temps. Mais frère et soeur, après tout, frère et soeur, ou pas d'armes après tout bagage ça, ou gagner le ciel. Nous pas d'armes, frère et soeur. Nous pas de prendre rendez-vous sous votre nom. Nous pas d'armes prendre rendez-vous votre nom, frère et soeur. N'aimez-vous pas prendre rendez-vous auprès du trône. Mais pour le faire, nous devons prêcher l'évangile. Combien de nous à ce matin, après avoir entendu, suivi toute cette semaine de prière, et ayant été couché et ayant été touché par le message d'aujourd'hui, le dernier, l'ultime message dans le cadre de cette semaine de prière, qui voulait pour lever main pour dire, non cœur, Seigneur, prends-moi, envoie-moi là où tu veux, car je veux devenir un missionnaire puissant pour toi. Tout le monde a me fait ça, lever la main. Ah, frère, bon Dieu béni, peuple là. Est-ce que nous croyons ça, frère et soeur? Est-ce que nous prenons décision pour prêcher l'évangile là? Que le Seigneur vous bénisse tous. Marie, amen, frère et sœur. Marie, amen, frère et sœur. Merci beaucoup. Je me permets de faire cette annonce avec toutes les excuses pour les dirigeants de l'église. Enfin, nous n'aimons pas les annonces après le message. Je convoque tous les membres du comité d'église. C'est pour quelques minutes. D'accord? C'est pour une communication importante et à la fin de laquelle nous devons prendre une mesure avec vous. Sans vous, nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous serons heureux de vous voir. Tout de suite après, n'allez pas saluer à la porte. Question pour vous de rester et je vais vous joindre sur la chaire pour vous passer cette communication et prendre une décision ensemble. Merci, bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen, chers frères et sœurs. Le portrait de l'église triomphante, ça doit bouger, il faut bouger.
Et pour mettre fin à notre cure, remercions le Seigneur pour cette belle nourriture qu'il nous a servie. Chant final 531. Du berger, il sait ses brebis en danger. Levez-vous, sœurs et frères, pour chanter avec vie, mouvement de marche. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. De faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Le prix du lame, cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Notre Père, notre Dieu, nous venons d'entendre ta parole, ta divine parole qui nous invite à être des missionnaires puissants pour toi. Nous voulons l'être. Veuille galvaniser toute notre être. Veuille nous toucher. Même les fibres de nos pensées, et que le Saint-Esprit nous saisisse comme il a su saisir le prophète, le roi, le prophète Jécaziel, que nous puissions être saisis par cette même puissance et de prouver le désir d'aller à la conquête des âmes. Bénis cette église et envoie-nous de ce lieu avec l'onction de ta paix et de ta grâce, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ne partez pas. Veuillez vous asseoir.
Ne partez pas, venez vous asseoir. Quelques secondes. Question pour moi, encore une fois, de présenter, de dire à l'église. Nous avons le frère Jean-Baptiste Fanor qui était avec nous à un certain temps. Naturellement, il marchait ici, mais il est surtout du côté de La Fontaine. Donc, il vient d'être décédé. Et ce soir, nous devons nous rendre à Magnus Poirier pour assister à la famille, assister la famille. Et demain matin, ses funérailles sont chantées à La Fontaine. Donc, je pense que l'un de ses fils marche ici. Donc, nous présentons encore une fois nos condoléances à tous les enfants. Et nous voulons souligner